Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse s'éclate sur Primitive Plus. Donc nous sommes le mardi 12 février 2019, il est 16h03 et c'est parti. Donc j'ai été voir un petit peu chez Patricia s'il y avait de la chitine kératine, parce qu'il m'en manque plus beaucoup. Ah bah les 14 ça devrait être bon, et voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, mais il me semblait. Voilà, je me fais la selle d'aigle, ça y est. Si tu veux bien. Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Non, on la fait pas sur nous, la selle d'aigle. Si? Pourquoi tu veux pas la faire là? On la fait pas sur nous alors. Ouais, c'est vrai, je crois que ici on la fait pas sur nous. Bah attends, c'est qui le machin? Ouais. Non, on la fait là alors. Bah non, c'est quoi ça? Clic droit pour plus d'options. Là, tout fabriquer, fabriquer un sol. Pourquoi tu veux pas fabriquer un sol? C'est quoi le problème là? Veux pas me fabriquer une selle d'Argentavis, lui. Salut Valou. Hein? Repose. Cadeau de papy. Yop, la tribu. Oui, papy, je peux pas jouer à cause d'une mauvaise note. Ah bah ouais, bah ça. Ça. Ça arrive, hein. Pas grave, hein. Bon, comment ça se fait? Je peux pas construire la selle d'aigle là. Alors là, ça me. Pourquoi tu veux pas? C'est quoi cette histoire là? Je ne comprends pas. Elle est là, la selle d'aigle. Alors, elle est sur nous, mais on ne peut pas la construire sur nous. C'est dingue, ça. C'est quoi, ce truc? Alors, on va la construire dans l'atelier. Ça va marcher, sûr et certain. Mais là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. C'est bizarre, hein? C'est comme ça. Pas chercher. Voilà, ça y est. Donc, la selle d'aigle, elle est faite. J'ai à boire, j'ai pas à manger, j'ai les croquettes, j'ai ça. Qu'est-ce qui va me manquer? Juste à manger alors. C'était un Carnot juste pour toi. Ah oui, le Carnot, j'ai vu Valou. On s'est fait raid hier, Valou. Je sais pas si t'as vu, si t'étais là. Parce que j'ai refusé de prendre quelqu'un dans la tribu tout de suite, il était pas content, soi-disant j'ai manqué de respect, il est venu nous péter, il a fait mumuse. Voilà. Et son but c'était de casser Beekeepers. C'est tombé, hein. Ouais. Voilà. Donc je crois que ton Carnot y est passé. Par contre, j'ai le Carnot d'ici. Oui, parce qu'il y avait un Carnot dans le 175, non? Ou c'est là? Je sais plus. Oh purée. Là, je sais qu'il y a un Carnot, là. Hein. Il est là, ouais. Ah, c'est toi qui l'as fait, celui-là, Valou, je crois. Hein. Lady Gaga. J'avais pas fait gaffe. Non, attends. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Tu l'as pas appelé. Si? Ah non, non, tu l'as pas appelé. Carnotaur, d'accord, ok. Ah bah, merci, Valou. Je crois que c'était sur le 175 qu'il y avait un Carnot. Il me semble qu'il y en a un. Ah, c'est dans le 75, d'accord, ok. Je savais bien. Ok, je sais pas si il a tenu, hein. Je sais qu'il nous a tué. Je crois qu'il l'a tué hier. Il l'a tué. Ouais. Il est venu avec son Ménagarme niveau 270, 275, je crois.
Et puis, il a pété pas mal de trucs. J'avais fini la cuisine pour Patricia. Tout était nickel, j'avais fait mon labo, tout, et il a pété toute la cuisine. Voilà. Donc, nourriture, vie, attaque, attaque. Le poids. On va faire un coup de vie et deux attaques. Voilà. Donc, faut que j'aille remettre les fringues à Human. Je vais prendre mon loup, je vais y aller en radeau et mon loup chercher un aigle. Voilà. Donc je vais rhabiller Human. En plus, c'est un personnage fille. Alors lui, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Parce qu'il y a des garçons qui jouent avec des filles et des filles qui jouent avec des garçons. Je comprends pas, mais bon. Ah. C'est comme ça, hein. Alors, créature, c'est ça, c'est créature. Voilà. Non, je te rhabille, hein. On va pas te laisser comme ça. C'est normal. Je savais pas que j'avais ça chez moi, donc c'est bon. Voilà ma pépé. Mon pépé, j'en sais rien. Ok. Hein? Sur le 175, de récupérer la selle du Ptera mythique. Alors, ouais, enfin, si tu dis ça là. Hein, façon, je vais vous rejoindre. Ah, il n'y a pas de problème, Valou. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, je ne savais pas que c'était une selle de mythique. Mais j'ai pris les selles et je les ai rangées. Hein. Parce qu'il ne faut pas laisser les selles sur les oiseaux. Hein. Donc je les ai rangées comme ça. Ça, on peut voir, on peut croire que c'est des oiseaux sauvages, comme ça, de loin. Mais dès qu'on voit une selle dessus, ça y est, on sait tout de suite que c'est à détruire, quoi. Donc à éviter quoi, si possible, à éviter. Je vais bien tomber. Ah oui, il caille là-bas aussi. Ouais, ça y est, de mémoire, je sais qu'il caille. Donc si il caille, il faut. Ouais, j'avais perdu tout mon attirail de fourrure, moi. Ouais, j'en ai plus, tu m'étonnes. Ah ouais, je caille là-bas, laisse tomber. Allez, on va pouvoir faire le manteau. Ouais. Le pantalon. Ouais. Je peux faire les deux là déjà. Super. Super, super. En plus, ça me fait un petit peu d'expérience. Voilà. Donc là, je suis sur primitif jusqu'à ce soir. Donc j'espère que je vais bien avancer comme j'ai fait sur le 175 hier. C'était génial hier avant que l'autre il vienne nous embêter. C'est dommage. Mais bon. Il y avait de l'audience, mais je préfère avoir moins d'audience et jouer peinard qu'avoir beaucoup d'audience parce que je me fais détruire, quoi. C'est clair. C'est pas le but. Je suis peut-être un des seuls, hein. Je suis désolé, hein, mais. Je préfère comme ça. On est monté jusqu'à 60 personnes qui regardaient, hein, sur le Twitch hier. Le maximum, c'est 91, hein, si je regarde mes. Mon Twitch, c'est 91 personnes qui regardaient en même temps. C'est pas mal, hein? C'est sympa, hein? Qu'est-ce que je voulais là? Je voulais les. Oh là, les ciseaux, ça a réparé là. Lingot, obsidienne, silex. Allez, on va mettre ça. Lingot. 200 lingots, ça fait beaucoup là. On va le séparer en deux. Diviser de moitié. Voilà. Silex. Silex, il est de mémoire, il est là. Oh, j'en ai plus. Hein? Là, on est 7, là. Oh, ça va. Hein? Là, tu pourras plus jouer pendant un mois. Sérieux, Valou? Et pourquoi? T'as l'intention d'avoir des mauvaises notes pendant tout le mois? C'est pas normal, ça. Et pourquoi l'autre machin voulait raid? Parce que le truc, il voulait pas que. Je lui ai dit que je pouvais pas le prendre dans la tribu tout de suite. Salut, Fir. Oh là, des. Fir. Ah non, non, ça va, il est 10h chez toi. Je croyais qu'il était 6h du matin. Salut, Fir. Hein? Pourquoi l'autre. Ah, Beekeepers. Parce que voilà, il m'a posé des questions, il voulait savoir. J'ai dit non, moi, je réponds pas, tout. Et puis, il voulait rentrer dans ma tribu, j'ai dit non et tout. Et après, bah, il a su que c'était Beekeepers, les alphas, parce que c'est une grosse tribu, il fait partie d'une grosse tribu, apparemment. Donc, il est venu avec son Ménagarme, et puis voilà, il voulait de la notoriété sur mon Twitch. Bah, tu sais bien, Valou, comment que c'est, hein?
Assez rare les parents qui agissent comme ça. C'est pas qu'ils sont sévères, c'est parce qu'ils veulent te faire comprendre que les études c'est plus important que le jeu. Attends, pardon, hein. Excusez-moi. Hein. Voilà. Hein. Moi, je pense, hein, c'est pas pour t'embêter. Hein. Les parents, ils font pas des enfants pour embêter pour les embêter plus tard. Hein. Ils veulent le meilleur pour vous, hein, c'est normal. Hein. Hein, Guillaume? Jusqu'en juin après l'école. T'as vu, il y a pire, Valou. Il y a pire que toi, Valou, au Canada. Donc, si tes parents ils t'envoient au Canada, là, tu pourras dire qu'ils sont sévères. Parce qu'en plus, il fait froid là-bas. T'auras pas le droit aux jeux vidéo jusqu'en juin. Et en plus, il caille. Non, il y a pire que toi, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Hein? Non, non, mais moi, je pense qu'ils ont raison. Les études passent avant le jeu. Hein. C'est pour ton bien. Hein. Après, voilà, moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais compréhensible. Non, non, mais c'est sûr. Chaque chose a son temps. Alors, attends, parce que moi, je sais plus, là. Pour faire les ciseaux, il me fallait silex. Ouais, j'en ai même pas de silex, c'est fou. C'est un truc de malade, j'ai pas de silex chez moi. Ah, oh, j'en ai un. C'est pas assez. Je pense pas que ça va être assez, un silex. Attends, on va voir, on sait jamais. Hein. J'ai pas vu combien il en fallait. Combien il faut de silex, ciseaux. Ciseaux. 17. Ah ouais. Il m'en manque. Lingots, lingots, tiens, je peux aller mettre les lingots. Donc lingot c'est bon, obsidienne 3, l'obsidienne j'en ai, il n'y a pas de problème. Où c'est qu'il est? Il est par ici, je crois qu'il est au fond. Ouais, tiens, je t'en mets 70. Je vais chercher du silex. S'il y a encore un petit peu de cailloux dans le coin. Je sais, t'inquiète pas, papy. Ouais, bon, bah, tant mieux, Valou. On se rattrapera, t'inquiète pas. De toute façon, t'as ta maison. Hein, voilà, je te la prends pas, ta maison. J'ai pris celle de Fir, hein, il le sait. J'ai fait la cuisine avec et j'ai pris celle de Lindis. Hein. Mais la tienne, tu l'as toujours. Val, il a toujours sa maison. Il y a Chicago qui a emménagé à côté de chez toi. Il y a un nouveau, hein, Chicago, qui nous suivait depuis longtemps et qui nous suit toujours. Et puis, bah, il est arrivé hier et puis bah, on s'est fait péter hier. Donc voilà, il a eu le bizoutage du raid. Le pauvre. Enfin, il a dit non, t'inquiète pas, papy, j'aime bien. Bon, alors s'il est comme moi, il aime bien se faire raid, c'est bon. C'est cool. Ah ouais, non, mais il y a des nouvelles recrues, ils ont vraiment pas de peau. Hein. Le jour même, comme Foufou, hein. Foufou, j'étais en train de la recruter, on s'est fait défoncer par un rhino niveau plus de 400. 444, je crois, de mémoire. Laisse tomber. Un truc de malade. Hein. Enfin, c'est comme ça. On rigole. On rigole. Hein. Bon, après, se servir du Twitch pour aider, c'est. Ça s'appelle des cheaters, hein, je crois. Hein. Des tricheurs. Mais bon, il y en a. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que la bonne y fasse? Allez, va réparer les ciseaux, je vais tondre le mouton, mes cheveux, j'en ai plus beaucoup, donc ça va pas servir à grand-chose. Donc là, on va mettre ça, normalement je peux réparer les ciseaux. Hein. Là, j'ai mis tout ce qu'il fallait, voilà, ouais, c'est bon. Réparer. Je vais en faire une autre paire de ciseaux. Non, je peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Ah bon. Non, mais dis donc. Voilà, comme ça j'en ai deux, j'aurai une longueur d'avance. Ça sera à brûler. Toi, t'enlèves ta pioche. Ah non, 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 t'allumes pas. Ça va là. Yavalo, il a dit qu'il fallait récupérer la selle de Ptéradon parce que c'est une mythique. Hein? Ah bon, tu l'avais vu? Ah ouais, donc il faut la récupérer, la planquer. Parce que ça, pendant un mois, il va pas pouvoir venir jouer. Donc il va falloir la planquer. Puis quand elle reviendra, on lui redonnera. Ouais, c'est à lui. Hein, bon, on va te la planquer, la selle, Valou. Hein, on va aller la chercher, puis on va te la planquer, on te la redonnera dès que tu reviendras. Hein. On va pas s'en servir parce que si on se la fait voler, après, on préfère te la redonner. Il n'y a pas de problème. Hein. Et puis tu dirais que son armure aussi, j'ai trouvé son armure sur quelqu'un qui avait. Sur celui qu'on a pété l'autre fois. Ah ouais, on a pété quelqu'un, Valou, et celui-là qu'on a pété, il avait ton armure sur toi. C'est celui-là qui était en face de l'île sur la droite. Qu'avait enfermé dans des cages.
Je préfère pas la. Enfin, oui, alors à ce moment-là, moi je me sers pas de Noradon, hein. Je me sers surtout de l'aigle. Ça aurait été une salle mythique de l'aigle, ouais, je t'aurais dit, ouais, Valou, je te la prends. Mais non, non, le Ptera, bon, bah, à ce moment-là, si Patricia la veut, elle la prendra, elle s'en servira. Mais si on a trop peur de la perdre, on te la met quelque part bien planquée et puis on te la repassera. Parce que c'est rare, ça. Hein, ça, on va pas en retrouver de suite. Hein. Bon, là, j'étais parti pour tondre le mouton. Hein. Oh, purée, qu'est-ce que j'ai à la gorge? C'est dingue, ça. Ouais, peut-être. T'as raison. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah, tout à l'heure. Hein. T'en es où à ton plateau? T'avances? Ok. Le mouton. Le mouton. Petit mouton, que je vais tomber. Non, 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 non. Alors, allez, tu vois pas, je vais avec le mouton faire un aigle. Purée, laisse tomber, les tchétchouettes. Allez, go. Si je peux me faire une petite capuche ou les pieds avec, ce serait pas mal. Il m'en faut 30. Voilà, 30. Ouais, si je pouvais ramener un autre mouton, là, faire de l'élevage, des petits agneaux, et puis faire des gros carnassiers, là, ça serait top. Hein. Si Pat en a besoin, qu'elle a... Ok, ça marche, Valou, je lui dirai, ouais. Ça marche, merci. Plein de gros sel. Ne coupe pas les oreilles. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci, Fia. Là, comme ça, je vais voir si je peux me faire un autre petit vêtement. Ouais, cool. Donc, je peux me faire la capuche. Ah, c'est tout. Bon, tant pis. C'est pas mal. Les ciseaux. Ah, si je me coupe quelque chose. Enfin, les cheveux ou la barbe, hein, pas le. Je pourrais me faire un cache-narine avec mon prépuce. Je vais pas me couper le machin. Hein. Oh, n'importe quoi, les copains. Attends, je sais plus où j'en suis. Là. Faites dire des bêtises. C'est pas bon, ça. Oh. Attends, j'ai fait quelque chose, là. J'ai fait la capuche, non? Elle est là-haut, non? Elle est là, elle est là. Elle est toute là-haut, évidemment. Voilà. Donc, je vais voir si je peux me couper les cheveux ou la barbe, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ah, quand même. Un petit peu. Il y en a un petit peu. Voilà. La barbe. Ah ouais, quand même là, quand même. Voilà, 5 cheveux. Ouais, tu parles avec ça. Donc là, ok, ça c'est bon. Donc je range les ciseaux. Est-ce que je peux faire quelque chose avec 16 de plus? Ouais, super, je vais faire les pompes. Voilà, donc il me manquera plus que les mains. Fourrures, il me faut. Je vais voir si j'en ai pas quelque part. Et puis j'ai faim en plus. Alors attends. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. La pierre. Hein. Ouais, c'était prendre mes pompes. Je vais voir si j'ai pas 23 fourrures quelque part. Et puis je vais aller manger. Je vais aller chercher je sais pas quoi à manger. Là, voilà. Fourrure, fourrure. Il me semble que j'en ai vu quelque part. C'est peut-être chez les autres que j'ai vu, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas y retourner, leur piquer leur fourrure. Non, là j'en ai pas. Bon, bah tant pis. Ok, donc tout ça c'est bon. Il me reste plus que à manger. Je prends à manger, puis j'y vais. Je vais y aller avec le loup. Qu'est-ce que je vais prendre à manger? Du maïs? Ça, c'est quoi ça? Citron, j'en ai besoin pour un maïs. Sans maïs, allez, direct. Soyons fous. Voilà. 4 croquettes, la selle, de la pierre. Pourquoi j'ai de la pierre? Ça pour l'endormir. L'arbalète. Avec les 50 flèches narcos. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Un tinénègle. Allez, go. Après, si je le fais, si c'est bon, je le ramène. Tiens, mange du maïs déjà, toi. Je le ramène et le loup dans les griffes de l'aigle. Hein.
Hein? Je suis poilu? Non, j'y suis plus poilu, ça y est, c'est fini, ouais. Salut Cyclope, comment vas-tu? Hein? Non, c'est pas un mouton. Ouais, un aigle, Valou. Ouais, parce que je l'ai paumé hier. Alors là, ça m'a pris la tête hier, je te dis pas, dans la forêt rouge. C'était la grosse galère. Je mourais tout le temps. J'ai emprunté l'aigle à Patricia et il est pas mort. Ah, j'ai pas été voir s'il était mort, tiens. Je l'ai paumé. Chef de meute, c'est pas le mien celui-ci. Si, bébé You, c'est le mien, bébé You. Hein. Angela Merkel, c'est déjà les noms des Picorettes, Ginette, Steak Haché, Lady Gaga. Oh, c'est fou les noms. Il n'y a pas que moi qui a donné des noms, hein. Vous m'avez inspiré. Hein. Tiens, je vais prendre un œuf là. Bah, il est loup, il est où le loup à Patricia? Ah, sinon, j'ai un pteranodon hein, qui est là pour papy. Oh, je vais y aller avec le ptera, ça va aller plus vite. Hein. Ah, ouais. Ouais, mon petit loup, il va rester là pour l'instant. Ah, bah, ils sont là, les deux loups. Fifi, il y a sa maman. Ah, bah, ça, c'est à Patricia, ça, c'est clair. C'est pas moi qui ai appelé mon loup comme ça. Hein. Ah, non. Ça risque pour. qu'est-ce que je voulais mettre, moi? La vie, la vie. Oh, 8! Tiens, prendre de la vie et de l'attaque, évidemment. De l'attaque, ça. Voilà, mon bézo. Niveau 84. Alors, j'ai un œuf de 12 kilos. Est-ce que je pèse combien, moi? 143 kilos. Plus la selle, 163 kilos. Est-ce que le ptera, il va porter 163? Je doute. Par contre, là, c'est le bordel, là, les copains, là. C'est un peu le bordel, hein. Oh là là. Ah, puis l'autre, qu'est-ce qu'il fout, là, l'autre, là? Gros nanar, là. T'as gagné un niveau, Pneradon, mais t'es bloqué aussi, Pneradon, là. Ah non, ça y est, c'est bon, je suis sorti. Bon, bah, si t'as gagné un niveau... Purée... Mais non, c'est pas ça. C'est pas mon aigle, ça. Attends. C'est dans le Pteradon qu'il faut que j'aille, moi. Vas-y. Oh là 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 là. Ah, je suis boubou. C'est bon, je crois que j'étais bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé You. Ouais, c'est moi. Attends. Là, pour papy. Purée, je peux pas monter dessus. Ah, c'est pas possible. On y arrive, on va y arriver, hein. Voilà. C'est trop le bordel là, faut pas mettre d'oiseaux là. On va mettre les oiseaux à côté de la cuisine, je pense. C'est pas bon là, c'est pas bien organisé, j'aime pas. C'est trop le bordel. Tiens, t'as un autre œuf là, je vais le chercher. On va les ranger. Voilà, allez, je vais ranger les œufs, je vais être moins lourd. Ouais, bah je vais commencer sans toi, Valou, hein. On va commencer à faire les rex. Et Venom, il m'a dit, avec 3 joueurs et 20 rex, ça peut être difficile pour faire l'araignée, donc le boss. Donc ça m'embête un peu, moi. Si c'est difficile, il va falloir se trouver des joueurs. Hein. Donc si toi tu viens, donc on sera 4. 4. Chicago, s'il vient, on sera 5. Donc 5, je pense que ça devrait le faire. Faire les boss ensemble sur Primitif, ça serait pas mal. Avec 20 T-Rex ou 19 T-Rex et un UT. Ça serait cool, hein. Et il me dit à 3, ça peut être raide. Hein. Alors que j'en ai vu. Ouais, bah non, ouais, c'est vrai. Il y en a, il le faisait tout seul, mais il m'a dit que c'était en serveur privé. Donc, c'était des fois 100, des fois 50, des fois machin. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Vas-y, pousse-toi, toi. Hop. Allez, est-ce que c'est mieux, là? Oh là, ça pique. Ah, il est long, hein, il est long quand même. Hein. Je suis assez lourd. Hein. J'ai pas mal de matos. T'es combien en poids, mon Titi? 177. Énergie 612. Ah oui, je veux. 612 d'énergie, ça c'est du tout bon. Alors, du poids, je vais peut-être en mettre un petit chouille. 188. Et puis l'énergie. Ah ouais, ça l'énergie. Là, et un autre petit poids. 193 kilos, ça c'est pas mal. Et nous sommes à 151. Donc là, c'est bon. Là on doit voir la patate là. Winécrip, l'araignée, faut des rex avec au moins. Sérieux, Winécrip, le premier?
Surtout s'ils sont pas avec de bonnes selles. T'es sérieux, Nécrip? 15 personnes? Non, j'en ai vu... Moi, je sais pas si c'était l'officiel, tu me diras. Non, mais l'araignée, la première, hein, la bêta, hein, la celle que tu gagnes 16 points d'expérience quand tu l'as. Hein, la première. Hein. Histoire de d'aller au niveau 110, quoi, et puis de débloquer le tech. Les premiers trucs de tech. Hein. Ouais, attends, s'il faut 15 personnes, laisse tomber, je les aurai jamais. Hein. Va trouver 15 personnes fidèles, toi, sur le Twitch, laisse tomber. Hein. Malheureusement, il y en a une sur trois où c'est des gars comme on a vu hier, par exemple. C'est fou, ça. Ah ouais, là, c'est même pas la peine. On va voir, on va bien essayer. Hein. Quel bonus pour l'ascension et recoil par les boss. Yuti et cochon d'Audi Kyrus là qui remet de la vie au T-Rex, hein, c'est ça? Eh ben. Tiens, j'irais bien voir là. Avec une petite auréole, là, ça peut être sympa. Ah bien sûr, évidemment. Hein. Bon allez, on verra la prochaine fois. Avec 20 T-Rex et on était deux. Ah! Est-ce que c'était un officiel, Valou? Ouais, c'est pour ça que je dis 1 sur 3. Hein. Sur 3, il y en a toujours des 2 qui sont fidèles. Hein, parce que, avec tout, depuis, de toute façon, c'est dans les vidéos. Hein. Sur toutes les vidéos, je vais te dire. Tous ceux que j'ai recrutés. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont retourné leur veste. Hein, et qui ont donné des renseignements à d'autres. Hein. Purée, j'aurais pas cru. Hein, franchement, j'aurais pas cru. Ouais. Un officiel, d'accord, ok. Pas en officiel, tu passes pas 5 minutes pour un boss. Tu passes pas à 2. C'est possible, on sait pas. Enfin, moi, je peux pas en parler, j'en sais rien. J'ai jamais fait de boss, donc je peux pas en parler. Je peux pas dire t'as raison, t'as pas raison. Je sais pas. Là, franchement, je peux pas m'avancer. Bon, on va essayer de retrouver l'aigle à Patricia, là, elle serait contente. J'ai pas été voir s'il a été tué ou pas, d'ailleurs. Tiens, faudra que j'aille voir. Donc, la direction Forêt Rouge, hein. Donc je suis bien... Ouais, dès que j'ai froid, je mets mes vêtements en fourrure. Il y a 1 million de PV pour l'araignée. Vas-y, laisse tomber. Oh, attends, faut que je me pose. On verra bien de toute façon. Hein. Le gamma, c'est la première, hein, c'est ça, non? Je sais pas. Bon, on verra bien, on fera des essais. Hein, Nécrip, Valou, hein, on va pas s'embrouiller pour ça. Hein, attention, hein, pas... on est là pour... La technique. On aura toutes les infos sur Wikirock. On va essayer. Valou, si tu dis vrai, Valou, on va essayer ensemble. Et puis comme ça sera en vidéo. Hein. Là, de toute façon, je peux pas tricher. Moi, on est en officiel. Hein, vous voyez bien. Hein. Bon. Moi, je cache rien.
Donc voilà, on va essayer, Valou, on va essayer à 4-5 avec les T-Rex et tout, et puis on va voir. Hein. Après, il faut trouver la technique. Je sais que l'araignée, on peut la bloquer. Elle nous envoie des petites araignées, donc il faut peut-être envoyer des stegs ou je ne sais quoi. Faut monter les T-Rex pour les tuer. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des techniques. Hein. Donc il y en a tellement que je ne sais pas. Hein. Donc il faudra qu'on essaye. On va essayer, on verra bien. Hein. Et pourquoi pas, hein? On est là pour ça, notre Twitch là, il est là pour ça, hein, pour montrer que voilà, c'est faisable ou pas. Voilà, tout simplement. On va pas s'avancer, hein. Attends, alors là, il faut que je fasse attention que je perde pas mon Ptera, parce que là, en plus, ah, c'est un lit que j'aurais dû prendre. Ah, c'est pas vrai, hein. J'aurais dû prendre un lit et un socle que je vais faire certainement maintenant, quoi. Je crois qu'on a des pièges là, mais j'ai pas de lit. Eh ouais, là j'ai déjà un aigle, mais bon, je vais voir si j'ai les pièges, parce que si j'ai pas de pièges, c'est pas la peine. Il va me. Ah, ça y est, il commence à faire froid. Bon, je vais essayer de trouver les pièges. Normalement, il y a. Ah bon, le singe est plus facile que l'araignée. Ah bon. Oh bah allez, on apprend. Bon, on essaiera. On verra bien. Qui c'est là, c'est là. Qui essaiera, sera. Hein? C'est qu'il est mes pièges là-haut. Avec le pot que j'ai. Ah voilà, ça y est. Wallgen. J'en ai qu'un. Ah d'accord, ok. J'ai qu'un piège. Alors là, c'est quoi? Il y avait des cailloux là, ils sont partis. Donc là, on voit que ça maintenant. Bon, là, il y a un petit peu de métal, mais bon, j'en ai pas besoin. Ok, bon, déjà, c'est pas mal. Là, on est pas mal. J'ai pas de lit là ou quoi? C'est quoi ça en bas? Qu'est-ce que c'est que ça en bas? Qui c'est qui s'est installé là? C'est pas possible. En plus, il y a des plantix. Chronique. Ah, chronique. Ok, c'est en anglais. Il y a des plantix en plus. Oh, purée. Non. Ah, ça y est. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Venom, il m'en avait parlé. Ok, ça marche. Ok. Venom, il est bien avec Chronique. Venom, il fait partie de la de Fendark, hein, de notre tribu. Et il m'a dit justement, on peut s'installer là si t'es d'accord et tout, machin. Et je lui ai dit, ok, pas, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. C'est bon. Ok. Oh, c'est quoi ça? Il y a du bon là? Oh, il y a une tenue. Ouais, c'est cool. Hein. Et ça, c'est quoi? Fan d'arc? Bah voilà, bah, j'ai un lit là. J'ai un lit là. Il y en a qui ont des hortensias, moi j'ai des lilas. Ouais, bon. Marrant. Mais c'est pas une repro. Bon, on va essayer de faire des rex au niveau 250. Hein. De toute façon, c'est faisable. Hein. Tu en fais un de 150, ça te fait 225. Ah bah non, il n'y a pas de broyeur ici. Et puis après, il faut le faire monter à 25 niveaux. Donc on va le faire. On va le faire bouffer, hein. On va le faire attaquer et faire bouffer, quoi. Bon, allez, on essaye de se faire un tinénègle. Ah, parce que moi, sans aigle, laisse tomber. Ah oui, il faut que je retrouve celui-là, Patricia aussi. Allez, on y va. C'est parti. Bon, le premier qui vient, de toute façon, j'ai quatre croquettes. Ouais. Même si c'est un petit niveau, je m'en fous. Hein. C'est le premier qui vient. Tiens, toi, allez, hop, là, tu viens là. Voilà, viens mon bézou. T'as un petit piège qui t'attend là-bas. Hein. Oh purée, il y a un raptor là-bas. Il y a un petit raptor là-bas. Faut que je fasse gaffe. Ah non, non, un seul les gars. Puis il y a un raptor qui vient. Mais non! Ça y est, ça commence. Qu'est-ce que tu veux le raptor là? Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce que tu me suis là? Ah, il va me péter mon terrain, lui. Non, rentre pas là-dedans. Est-ce que tu rentres dedans?
Non, n'ouvre pas, Nedbeu. Purée, il est parti. Il est où le... Il est là, il est en bas le raptor. Bon, attends, je... attends, voilà, là, attends, 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 attends. C'est le raptor qui va m'embêter. Pourquoi tu décolles plus, toi? Le raptor va me prendre la tête, là. Mais vas-y, pose-toi. Ça y est, ça commence, là. J'appuie sur la barre d'espace, tu te poses, tu cherches pas à comprendre. Le raptor, là, il me prend le chou, là. Tiens, viens là, toi. Regarde, regarde, regarde. Niveau quoi? Niveau 15? 35. Oh, c'est bon, 35, hein, c'est bon. Vas-y, viens, viens. Regarde, vas-y. Mange-moi, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Voilà, c'est bien, mange-moi, mange-moi. Vas-y, bouffe-moi, vas-y, vas-y, attaque. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça y est, c'est bon. Il est où, mon raptor? Mais non, il est sur attaquer la cible, cet abruti, non. Comment on fait pour changer? Oh le pourri, mais non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Comment on fait pour... Mais arrête, laisse-le tranquille. Pourriture. Hein. Ah il va me le bouffer, mais il est reste dans le nose là. Et qui c'est qui me l'a mis sur neutre là? Voilà, ça y est, t'es content, espèce d'abruti. Hein? Et plus qu'à recommencer. Charlemagne. Pff. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, autre option. Statut neutre, passif. T'en as un autre là. Hein. Oh, c'est pas possible. Allez. Ah, vas-y, tiens, tu te fais. Qu'est-ce que t'as encore? Ah, t'es sursuivi, bah oui. Ah oh, c'est pas vrai, il va me prendre le chou bidou. Il est sursuivi maintenant. Vas-y, hop, on va mettre ce non suivi. Voilà, ça y est. T'es dedans toi? T'es où? Non, t'es pas dedans. Faut que t'ailles dedans. Ah oh, pourriture, il me suit le... Vas-y, mets-toi comme ça. Ah non, pas fait. Ah, malin, toi. On va ouvrir la porte, là. Hein. Voilà. Ah, il est dedans. Il est passé, mais... Ah, pouf. Attends, on va essayer. Allez, viens. Dépêche-toi. Ah, bourricot. Trop tard. Ah, c'est pas possible. C'était trop tard. Alors, attends, vas-y, tu restes. Ah, il y a le raptor qui... Oh, puis c'est un alpha en plus. Vas-y, mange. Oh, c'est pas vrai. Hein. Pas de peau. Là, je crois que la journée, là, va me... C'est à quel niveau celui-là en plus? Je suis même pas. À quel niveau toi? On va ouvrir ça. Je suis sûr, je vais endormir l'aigle, le raptor il va venir me prendre le chou. Sûr. Je le mets là, lui. Voilà. Bon, ça, tu l'enlèves, toi. Tu vas prendre ça. Voilà, viens, viens, viens. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Pourquoi je suis bloqué, là? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Je suis bloqué, dis donc. Non, je crois pas. Oh, puis voilà, il attaque mon machin. Non, mais j'ai pas de peau, hein. Vas-y, barre-toi, toi. Vas-y, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là. Et c'est quoi ce bordel de Nance, des...
C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un loup? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? C'est hallucinant ça, c'est quoi ce truc? Mini base métal, mais non. Il y a des loups par ici maintenant. C'est un apprivoisé, c'est obligé. Il n'y a pas de loup ici. Oh là 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 là. Il est où mon pnera? Allez, barre-toi vite. C'est quoi ce bordel? C'est peut-être pas un loup, c'est peut-être un smile. J'ai cru voir un loup, mais c'était un smile au don. Hein. C'est quoi ça? Tiens, vas-y, barre-toi. Un smile, hein, ouais, c'est ça. Hein. Oh, il me suit, lui. Ah non, c'est un niveau 40 l'aigle, ça serait pas mal. Il me suit pas, le Ptera, il est là-bas, non? Ouais, c'est bon, reste là-bas, reste là-bas. C'est bien là-bas, mon bisou. Vas-y. Allez, on y va. Ah, purée, purée, JJ, ouais, je t'assure. C'est pas possible. Allez, tiens, viens, viens, suis-moi, là. Voilà, c'est bien, suis-moi. Voilà, c'est bien, vas-y, attaque-moi. Voilà, c'est bien. Mets-moi des coups de griffe, fais ce que tu veux. Vas-y, là, t'es bien dans le centre, là. Vas-y, c'est bien. Voilà, c'est bien. Ok, tiens, toi, je t'enferme. Vas-y, ferme ta porte, toi, voilà. Hein? Voilà, allez, hop. Bâche-te, hein. Niveau 40, bon bah écoute. Eh bah dis donc. Enfin c'est pas gagné, avec le Raptor Alpha qu'il y a là-bas. C'est bien des flèches narcos, hein. Ça y est? Oula. Voilà. Fais dodo, va. Bon, ça, je le vire, ça, hein, ce truc, là. J'étais coincé de là-dedans. Vraiment pas de peau, hein. Vas-y, attends. Vas-y, voilà. Bon, mon Ptera, il est là-bas. Allez, viens. Oh là, je suis lourd, là. Oh là. Faut que je me dégage de truc. Ah, il est là-bas, le Raptor Alpha. De toute façon, faut que j'aille chercher de la viande de qualité. J'ai 4 croquettes. 4 croquettes. Manger quoi, moi, là-dedans? Ah, je caille. Alors, étant donné que je caille, je vais mettre ma combine. Là, là. Pantalon. Ah, voilà, j'ai mon froid. Ça. Et les gants. Ah, les gants, je les avais pas. C'est en option. Bon, c'est pas grave. Ok, ça marche. Bon, là, j'ai quoi, là? Bon, faut que je me fasse de la viande. Faut que je... Bon, ça, attends, 20, ça fait trop, ça. J'ai la selle de l'aigle. 20 kilos. Ok. Hein? Excusez-moi, j'ai pas vu. Hein. Fais bouffer ton Ptera. C'est un. Ah ouais, un smilodon. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Bon, je vais y mettre ça déjà. Ça va me faire 5 kilos en moins. Bon, le 9, je vais bouffer le 9. Hein. Les croquettes, tiens, je t'en donne 4. Et puis 20 viandes. Allez, hop, direct. Voilà. Il faut que j'aille chercher de la viande de qualité après. J'attends un peu. Ça dégage.
Ok. Bon, bah, j'ai sauvé mon Ptera quand même. C'est bon. Pas de problème. Par contre, c'est l'autre là qui m'embête là. L'alpha. Ouais, il peut venir me bouffer mon aigle. Ça, c'est embêtant. Bon, qu'est-ce que t'as là-dedans, toi? Tiens, donne-moi tout ça. On va voir ce que je peux faire avec. Tu as peut-être de la manger, toi aussi. Tiens. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi à cet épisode. Je vous donne rendez-vous un prochain. Ciao, ciao, bye bye.